Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light. On est toujours en solo avec Katox et Katox. Salut. Et on s'apprêtait à rentrer dans le barrage, c'est parti. Toi t'as fini la quête du coup? Je vais pas te spoiler. Ok, tu ne me spoiles pas. Alors, on n'a pas de d'armes. Holy shit. C'est un peu gênant parce que tout le monde s'est fait buter, hey, visiblement. Anybody there? Brother? More fighting. More death. I can't let this happen again. I won't. It's you. Where are the faceless? What's happening to me? Why do I hear your voice inside my head? Children of the Sun, Kyle. They were nothing before the outbreak. Just a half-forgotten tradition. An old-world faith long dead. Je peux vraiment pas courir, sérieux? I'm tired. I've held this title for so long now. The Mother. It was meaningless. Until it became all too real. I thought their respect came simply because I was a colonel's wife. We had a good, cozy life. After the outbreak, my husband came to get me out. We didn't stand a chance against the Horde. We were bitten. He bled to death in my arms. He gave me his cigarette case and asked me to run. He didn't want to hurt me. I was dragged away by the relievers. They came for their mother. Parfait. It took me a while to remember that my husband didn't smoke. I looked inside. There was a map, a key, and a note with numbers. It led us here. D'accord. The healthy ones tried to get the power back on. The rest of us went to look for medicine. Pointless. Ok, il se remet à halluciner. Je vois. C'est que le début. We found a locked container. The numbers turned out to be a code. There were strange vials inside. Ah, the others looked to me. It could have held medicine. They could have held poison. I felt a seizure coming. I was about to turn, and I realized. Why else would my husband lead me here? I loved him. I trusted him. I remember a taste. Acrid. Bitter as blood. It might have been blood. Et le jeu qui te fait, vous avez des points de compétences non utilisés. Merci, ça casse l'ambiance. Vraiment. I awoke, down there, surrounded by the remains of the people who had trusted me. It was because of the light. Someone finally turned the power back on, and the light brought me back. Ah ouais. Breathing the fumes is one thing, but drinking the liquid is something else entirely. Sympa. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you can't possibly imagine. But in the dark, my new nature dominates. Mindless, lethal. In the dark, with cruel passion, I ripped my own children to pieces. But I swore to myself that I would become the mother they really deserve. And now, you have come, Kyle. Oh. Every sign tells me you're the one I've been waiting for. It's in the prophecy, Kyle. Then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy. Que c'est cool de pouvoir voir d'aussi près les modèles. Ouais, les modèles sont vachement bien foutus. I just need that medicine to save my friends.
look at my face. There is no medicine. You want mankind to become what I am? Listen to my voice. Beautiful evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond. How poetic. Look at me. And when the darkness comes, what then? More death, more killing. You can hide from others, but who will hide them from you? But we don't have to drink it with just the mist. It doesn't matter. Just listen. You've been breathing the mist. It will take long, but you're already changing into a monster such as myself. No, wait. Listen. The army built a failsafe into their experiment. This entire region can be purified. The question is, are you ready to sacrifice thousands of lives, Kyle? C'est pour ça qu'ils ont tous des masques. Alors, le sacrifice est le seul moyen, bon sang, très bien, j'écoute. Je ne veux rien savoir de votre délire, laissez-moi prendre les fioles et m'en aller. Dis-toi que ça fait 20 minutes que je suis devant ce choix et que j'ai cette gueule qui me regarde comme ça. Miam, et t'as pas choisi. Oh, écoute, on en choisit un chacun puis on se racontera ce qui se passe. Bah je vais prendre le sacrifice. Ok, bah je prends l'autre alors. Are you crazy? I won't play your god of the sun. I want no part in this bullshit. Just let me take the vials and go. Maybe you'll understand when you see it with my eyes. How narcissistic. You, the god of the sun himself. I'll show you who you really are. No! No! No, goddammit! You fucking monster! But my love for humanity fills me. A love which you defy. And you know that a love rejected turns to anger. An anger you will bear, Kyle Crane. I will make you pay for all those things. Putain. The fumes are powerful here, aren't they? They penetrate the skin, the bones, the brain. On peut pas utiliser le grappin, merde. I hear your thoughts, Kyle. Your fear. Où est-ce qu'elle est? Vous pouvez fabriquer un nouvel objet. C'est quoi le délire là? Sérieux? Je vois pas ce qui se passe. Ouais, bah je sais pas ce que ça donne de ton côté, mais moi c'est très bizarre. Hein.
Ouais, c'était plus simple. Ouais, toi tu t'es sacrifié, c'est terminé. Globalement, t'actives une tête nucléaire avec les codes, et puis ça fait. Voilà. C'est tout. Bah écoute, moi, elle a pas apprécié que je refuse de l'aider. Et du coup, non, elle a invoqué des plein de saloperies. Et là, on dirait que je suis en train de me transformer en monstre parce que je peux plus utiliser mes armes et je les tue à main nue. Et effectivement, je les tue à main nue. Elle m'a dit qu'il suffisait pas de boire, il suffisait de respirer le truc pour se transformer petit à petit, et elle a essayé de me forcer à le boire. Je lui ai tout craché à la gueule, alors du coup elle était pas contente. C'est pas très poli. Ouais. Ah, ça y est. Et là, je me bats à main nue contre elle. Aïe. Et les petits ralentis sont sympathiques, vous voyez. Putain, il m'a dépioté. Je peux pas me soigner en plus. N'approche pas. Tiens, mange, mange. Aïe. Bon, des fois elle fait rien comme dégâts et des fois elle t'enlève la moitié de ta vie cash. Ah, elle me crie dessus, elle m'a buté. Elle s'est mise à me hurler dessus et elle m'a tué quoi. Bon ça va, moi je recommence au début du combat avec elle, mais pas tout au début. Ouais, je sais, j'ai des points de compétences qu'on utilisait, mais... Avec un arme de compétences spécifique. Bah, c'est des points de pilote que j'ai. Peut-être un point d'agilité. Putain, on est en train de la déchiqueter, mais à main nue, quoi. Là, il y a une truc dessus. Faut se tirer. Ah d'accord, elle se téléporte et elle continue de crier. Oh, putain. Bon, c'est le boss classique, hein, pour apprendre tous ces petits trucs et puis réussir à trouver comment les contourner. Parce qu'à un moment elle perd son masque, elle se met à hurler, puis tu sais ça fait comme les bébés là, enfin comme les enfants infectés là, et elle t'enlève ta vie juste en criant. Sauf que du coup, bon bah à part te barrer, tu peux pas faire grand chose, j'ai l'impression. Et si tu te barres, elle se téléporte sur ta tronche et elle se remet à te crier dessus. Ce qui n'est pas hyper ouf. Elle a perdu son masque, il va falloir courir. En plus j'ai presque pas de vie. Ah, mais par contre, je me régénère. Ça c'est pas bon, moyen ça. Pas moyen de la contrer. Bah, j'ai pas l'impression quand t'as crié, hein. Merde. Parce que j'essaie de lui mettre des coups, mais non, elle me défonce. J'ai pas moyen de la faire. Torche UV. Ah non, je peux utiliser aucun objet. Non, là j'ai plus aucune arme en fait. Je peux pas utiliser le grappin, je peux pas utiliser la lampe torche, j'ai plus que mes mains nues. Et faut avouer qu'il est efficace avec ses mains nues, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Mais bon. Pas quand t'écris. Allez, viens là, petite saloperie. Bim. Ah merde. Ça va être compliqué encore cette histoire. Ah mais je peux peut-être essayer de prendre son bâton. Il a fait quelque chose avec son bâton. Il a acheté son bâton.
Puis il y a des fois j'arrive à l'enchaîner et il y a des fois elle me fait super mal. Et tomber par là son bâton. Ah merde, elle m'écrit dessus déjà. Oh là là. Alors là, il y a eu dû y avoir un bug parce qu'elle s'est mise à me crier dessus avec son masque. Enfin, hyper long. Allez, allez, les vieux morts là. On se concentre. Oh là là, c'est l'enfer. Il reste un PV. Ah, non. C'est chaud. Et t'as pas une, au moins une petite, une jolie cinématique, un truc du style? Non, l'explosion de la bombe qui a fait un gros écrasement. Ah d'accord, mais dès que je bouge, en fait, elle se met à crier, quoi. Abusé, je peux même pas la taper en plus parce que le mec il se bouche les oreilles comme un con. Et du coup bah... Du coup quand il se bouche les oreilles, bah il tape pas quoi. Il y a un truc qui doit m'échapper, ok. Bon déjà, il faut pas s'éloigner parce que si on s'éloigne, elle se met direct à crier et là c'est perdu. Donc on va l'attendre. Voilà, hop. On la tabasse jusqu'à 1000 life déjà. Aïe. Par contre, si jamais t'as des suggestions, je suis preneur hein, parce que je, donc là, je vois pas trop. Je vois pas trop le délire. Bon, quelque part c'est pas plus mal que ce soit moi qui montre ça aux viewers, mais bon, c'est compliqué. Ben, je suis sûr qu'il y en a qui ont fait le jeu qui sont en mode ah si, il faut faire ci, il faut faire ça devant leur écran en ce moment même. Il faut se battre. Ah. Tiens, ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais te partager mon écran, comme ça tu pourras voir un petit peu. Hop. Au moins ce qui se passe, ça sera un petit peu plus fun pour toi. On va voir ça. Voilà. Là, je vais probablement crever parce que du coup, j'ai fait ça en plein tout bas. Tu vois ou pas? Ouais. Tu vois, elle te jette à terre comme ça et. Je crois que quand elle jette à terre, tu dois juste te barrer parce qu'elle a l'air de jeter à terre et te faire un énorme coup qui te finit. Ça dépend, des fois si t'arrives à lui caler un coup au bon endroit. Mais le problème en fait c'est que, je vais essayer de te montrer, mais dès que tu t'éloignes, elle se met à se téléporter sur toi en criant. Et alors là quand elle crie, elle t'enlève des points de vie, mais juste ça fait boule, ça s'écroule quoi. Y'a même pas le bouton automatique de lampe torche qui fonctionne? Ah non, y'a rien. Là tu vois j'essaie d'allumer la lampe torche. Ah là elle crie, donc c'est mort. Quand elle crie, là j'ai deux vies, c'est fini quoi. C'est chaud. Ah, sinon, essaye de te barrer quand t'es à 100 PV, voir un peu si c'est le chef d'office. J'ai essayé, tu vois, même si son bâton faisait quelque chose, etc., de le retrouver, mais en fait, dès que tu t'éloignes de la zone de fight, elle se met à crier direct. Alors là, ça, j'arrive plus à y arriver parce qu'elle me finit avant. Mais quand tu la mets à 1000 life, en fait, elle perd son masque. En fait, faut que j'esquive, c'est ça. Vraiment que j'arrive à... Faut que je joue avec l'esquive. Bon, je vais essayer de jouer avec l'esquive pour réussir à lui mettre des coups. Ouais, j'essaie de lancer le grappin. Ah, y'a rien moyen de faire. Viens, mange.
fait manger aussi, dans le contraire. Ta vie se régène, tu m'avais dit. Ouais, ouais, si tu combats pas pendant quelques temps, la vie elle se régène. Ah voilà, c'est bon, doucement. Après, bon bah, tu mets une grosse fessée et t'enlèves 25 PV d'un coup. Ah, je fais des allers-retours jusqu'à ce que le. Oh, sérieux, j'avais esquivé là. La patate. Si en plus j'esquive mais qu'elle, saute, qu'elle change de direction en vol, on est pas sorti du sol. Contre le machin. J'essayais d'esquiver en arrière et j'étais coincé contre le truc. Ah ouais, je commençais à m'y habituer aux armes à feu, mine de rien. Ah bah oui, ça. Alors même, même ma petite machette, je serais pas content. En plus, même quand t'esquives, quoi, est-ce qu'on en vole là pour te mettre des tatas, c'est relou. What? Ah, ça va la course là ou pas? Comment ça se passe? Bah, c'est sur le côté quoi, non-stop là. Côté, côté, ouais. Côté, côté. Côté, 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 ouais. On est d'accord. Si je manque quelques points pour lancer le combat déjà. Pourquoi je vole comme ça? D'ailleurs j'avais un bon rythme parce que j'arrivais à être toujours sur le côté justement d'elle, ça passait plutôt bien. Là, choper. Oh là là, c'est pas possible hein. Et ah se téléporte au contact. Shibuti qui me montre un petit texte sur le net qui dit le combat n'est pas difficile. Oui, alors certes. Alors, pour lancer dans la difficulté supérieure. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est en très difficile aussi. Aïe. Encore heureux qu'elle se jette pas sur toi quand t'es à terre parce que ça serait un peu l'enfer sinon. Mais faut qu'elle arrête d'enlever 25 PV par coup aussi quoi. Qu'est-ce que tu veux foutre? Oh non. Puis t'es à côté, elle te touche quand même. C'est abusé. Machine, faut pas faire des choses comme ça. Ah bon? Là je suis contre le machin donc elle va me choper dès que je vais lever. Ah j'esquive sur le côté là. Hein. Juste elle en a rien à foutre. Oh. Comment je peux être à 88 PV puis d'un coup je suis à 0? Oh la vache. C'est pas une bonne idée, c'est tout électrisé du coup. Parce que là. Ah ouais, merde. Là, tu vois, elle crie là. Et là, c'est fini. Quoi. Tu la vois, la vie qui descend quand elle crie. Hein. Ça... Allez, survie. Comment on est enchaîné les phases. T'esquive, t'esquive, t'esquive. Ça te régénère tant bien que mal. Ah, des fois par contre il galère un peu à esquiver, faut dire. Hein. Il faut réussir à la garder dans l'alignement, sinon il esquive derrière en fait. Et quand il esquive derrière, il fait un vrai saut. Et là c'est la galère. Il aussi elle esquive en plus, cette conne. Ah la vache. C'est pas possible quoi.
Ouais. Parfait. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, fais pas ça. Oh, fuck. Bon, ça va être compliqué. S'éloigner pour pas rester coincé sur le truc là. Il a... Oh. Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre le concept. Alors c'est un peu un sac de PV hein, par rapport à notre vie à nous. La première phase en fait ça va parce que tu peux être sur son côté et du coup... Mais alors dès qu'elle t'a poussé au sol une fois, elle se met à te voir de côté quoi. Bah là elle se tourne à la volée. Et là c'est plus la même déjà. Trop de PV. Oh là là. Oh putain, j'arrive à me régénérer un peu et direct elle me fout un coup et c'est re la merde quoi. Oh là là. J'arrive à remonter au moins à 80 PV pour avant de me revenir au corps à corps. Ouais, parce que dès qu'elle m'en met un, elle me remet à 50 quoi. T'es où? Voilà. Oh, je lui ai mis un coup, elle me jette à terre. Et puis là, cette fois, elle a pas attendu que je me relève. Hein. Ça me fait... Aïe aïe aïe. Non. Bon. Peut-être qu'il me manque quelques niveaux, hein. Pas bien. Ouais, du coup elle m'attaque pendant que je mets mes points de compétence. Bravo. Bel esprit. Bel esprit. Il saute en l'air, c'est mort quoi. Faut réussir à vraiment choper le bon angle. Allez, allez, régène. Non, la vache. Faut lui arracher un petit bras là. Ça me ferait plaisir. Une jambe, la tête.
Ah putain, ça y est, elle a perdu son masque là. Donc là, elle va crier comme une connasse. J'aimais bien quand elle était par terre. Ah putain. Des coups là. Allez, allez. Oh non, je l'avais évité là, faut pas déconner. Allez où? Oh putain, non. Faut arrêter un moment les conneries quoi. Aïe. Où est-ce qu'elle est? Ah putain. Saloperie. Oh non. C'est abusé quoi, c'est abusé. Ah, ça. Ah ouais, non mais franchement ce combat. Oh là là. Ouais, je pense que peut-être le niveau de difficulté il est un petit peu abusé pour ce combat final. Parce que franchement, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, du coup je suis désolé pour les viewers, hein, c'est fort. Pas probablement pas le truc le plus fun à regarder, enfin après vous rigolez peut-être beaucoup. Alors je mettrai un timestamp dans la description, genre voilà, allez à ce moment là de la vidéo pour esquiver les tentatives parce que... Voilà. Allez à 3h50 pour pouvoir voir la fin du combat. One eternity later. Rien de ça, c'est abusé quoi. Là, quand elle saute comme ça, je l'esquive, je suis désolé. Et elle se tourne en vol quoi. Allez, allez, non, elle saute. Oh mais sérieusement, faut arrêter quoi. L'équilibre entre régène et DPS, il est tendu du string. Ouais, tu viens pour moi, c'est bon. Allez, viens, viens. Comment ça colle? Non mais en plus, me fais pas tomber. Oui, c'est scripté qu'elle me fasse tomber, très probablement. Faut essayer de pas rester trop loin. Pour pas lui donner envie de sauter là. Elle te fait tomber à peu près tous les cinquièmes de vie on va dire. Non, ça c'était pas possible ça. J'étais dans ton dos. Non mais putain. Arrête un peu. Oh non mais franchement. 4 PV, bah ouais mais non mais regarde ça, je suis à côté d'elle, elle me touche quoi. Shubiti qui est morte de rire à côté. Mais qui compatit quand même un petit peu. Je crois qu'elle est surtout morte de rire. Bah regardez si on peut pas baisser la difficulté parce que c'est pas fun là. C'est plus chiant qu'autre chose. Parti. Je sais même pas si on peut le faire en jeu en fait. Je suis pas convaincu hein. Ouais, je crois pas hein. J'ai pas l'impression. L'impression, c'est pas chiant. Oh, et puis c'est franchement, t'as des fois elle te touche jamais et t'as des fois t'es à 2 mètres et te met un coup. Je pense qu'il doit y avoir des bugs dans les dans les touchbox là parce que là je peux même pas la taper tant qu'elle finisse son tapa. À la limite ça, je veux bien l'entendre. No!
moment là, enfin je suis désolé, j'esquive quoi. À un moment, faut être pertinent avec votre jeu les gars. Ou alors je l'interromps quand je lui mets un coup bien placé à la limite, mais même quand je fais un coup critique ça l'arrête pas quoi. Non bah là j'ai sauté sur place, c'est mort, non ça passe. Oh là là. Ah, j'ai pas sauté assez loin, je peux pas, je choisis pas ma distance de saut. Hein. Non mais là je teste un peu le truc, hein. je sais que je la tape pas, mais je veux voir si c'est vraiment possible de... Bah, de pas prendre de dégâts en fait. Ce qui sous-entendrait qu'il y a quand même moyen de faire un peu traîner le combat, le temps de résister et tout, mais non. De toute façon, elle nous met des tatanes quoi. Même si t'esquives du mieux possible, de toute façon, elle te met des tatanes. En fait, il faut réussir à lui faire suffisamment mal pour activer le soin. Oh putain, franchement. Le saut en l'air. Est-ce que si je reste proche d'elle, elle fait pas de saut en l'air ? Tu vois qu'il lui met des coups critiques quand même, parce que là ses petits ralentis et tout, tu vois son, ses ossements, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, 52 PV, ça va être ton. Non, putain, mais non, mais franchement, pas ça quoi. C'est mort, elle a sauté, voilà. Non tiens, elle m'a pas touché là, elle m'a touché. Ouais. Bah, je vais mettre en pause la vidéo je pense, et puis on se retrouve quand j'ai réussi à la gérer. Hein. Eh oui. Ah bah voilà. C'est l'exécution. Il fallait que je mette pause et que j'arrête de parler en fait. Je me concentre dessus et... Quatrième phase sur Facebook, hein. Ah ouais. L'arrachage de tête à main. First, I'll kill you, bitch. And save my friends, and you can rot in hell. Hey. Et là, Raïs. Elle se téléporte aussi. What's happening to me? I killed you. I fucking killed you. This is a poison. It's not a poison. It's a cure. Lena. Lena, I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that he has all the time. He has all the time in the world now. No, tell him. Tell him we have a new lead. We have a better one. C'est les portes plus ou moins. Il oublie, je sais pas. Il va arriver, tout le monde va être mort. Where am I? Oh,
ouais, quand même. Ah ouais, finalement, j'ai eu la bonne ending. Ouais, ouais, c'est... Mais d'à quel moment on s'est retrouvé dans le passé, quoi? C'est pas le passé, c'est une autre ville. Une autre ville, tu penses? Ouais. Peut-être, ouais. Pour moi, c'est une autre ville, hein, parce que t'as... Juste avant de rentrer, t'as eu les deux jumeaux, là, non? Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais mis... J'étais en train de refaire des trucs de sang, j'ai pas vu exactement ce qu'ils me disaient, mais ils disaient qu'ils avaient trouvé une autre ville. Bah, ils étaient passés de l'autre côté, et que c'était vachement cool de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et donc... Oui, ça doit être ça, tu sais. Ouais, c'est possible, ouais. Tu y es arrivé, on est fiers de toi. On est le patient zéro. C'est pas de bol. Bon, bah du coup, j'espère que cette série vous a plu. On se reverra peut-être pour Dying Light 2, s'il sort un jour. Ah, ouais. Bah pour l'instant, c'est prévu pour quand? Février, je crois. Je crois qu'il en poussait à février, ouais. Mais bon. Il y a déjà deux fois qu'il en poussait, donc... Ça fait quelques années qu'il est annoncé quand même. Hein. Mais bon, après, c'est toujours pareil, hein, s'il le repousse pour sortir un bon jeu, on va pas se plaindre. Peut-être bon, la vidéo est un peu longue, on va pas se lancer dans une discussion, je suis désolé, Katox. On en parle en off après, mais du coup, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la série jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié ce combat épique, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.